Bon matin! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On est mardi, le 21 septembre. C'est ça. Ben, c'est un beau matin. Lucas est parti pour l'école. À matin, ça lui disait moins, là, parce qu'il a vu qu'il n'aurait pas d'édu. Là, ça lui disait moins. Mais, en tout cas, il est allé pareil de bonne. Ben, il est allé pareil, je veux dire, là. Pas super enjoué, là, mais il est allé pareil. Il n'y a pas eu de stinage, là. C'est dommage, il y a de l'édu, par exemple, mais il va être content. Puis Katia, ben là, c'est ça, elle est super en forme, tout rentre bien, elle dansait. Son nez, il y avait un petit peu de. Il y avait un petit peu en dessous du nez, là. Juste un peu d'eau. Puis je l'ai pas ressuyé depuis une heure. Fait que. C'est pas encore là. Je me risque de l'envoyer ou pas. Parce que là, je trouve que tu sais, elle serait capable de faire sa journée. Elle coule pas. Tu sais, elle me dit à son professeur, ça coule pas tant que ça. C'est correct, s'il n'y a pas d'autres symptômes. Comme celle-là, pas d'autres symptômes, même qu'elle va super bien. Mais j'ai peur qu'ils se mettent à couler full à l'école. Là, je suis prête à la rechercher. Fait que là, c'est pour ça que j'ai demandé à Sab si il y avait de quoi ça pouvait la chercher comme ça. Parce que j'ai une garantie qu'on pourrait aller la rechercher si il y avait quelque chose. Fait que c'est ça. Ça va être à voir. Nick est venu coucher hier soir. Là, j'ai plein de choses. À matin, je vais cuisiner ma sauce à spagh. Je vais faire que mon plat dans la mijoteuse. Ensuite, il faut que j'aille transplanter ma pivoine et pivoine que Lise m'a amené. En gros, c'est ça, là. Fait que je vais revenir au courant. Je vais vous montrer Katia, mais Katia, ça va bien, là. Et on a le beau soleil. Allô? Allô, ma fille? Comment tu vas? Hein? Comment tu vas? Ouais. Oh, mais comment va, ma fille? Oh, petit bébé. Là, il faudrait changer la couche à Katia. Mais là, je vais lui montrer qu'elle comprenne si c'est ça que je veux. Katia? Katia! Katia, viens, on va changer ta couche, ma fille! Ouais, viens, on va changer la couche! Viens! Viens dans ton lit, on va changer la couche! Katia! Viens, on va changer ta couche! Viens, puis on va mettre de la musique! Katou! Viens-t'en, on va changer la couche! Oui! Viens! Allez, regardez ça! Je suis trop contente! On a enfin une belle de jour! La première de l'été! Eh bien, là! J'étais là, mais on n'a pas, puis on finit par en avoir une. Fait que ça va bien mes tâches. J'ai déjà. Mon lavage est parti, la vaisselle, tu me donnais la main. Qu'est-ce que t'es une d'amour? Je t'aime! Ouais! Je t'aime! C'est ça, la vaisselle est partie, mon lavage est parti. J'ai ramassé la vaisselle du déjeuner. Il reste la table à laver. Fait que là, je me suis habillée aussi déjà. Fait que je vais déjà être prête à enclencher les repas quand Katia va partir. Mm-hmm. Parce que là, il fait beau le moment aussi, je n'irai pas. J'avais pas mon sourbène à pied. Fait que ça va être à voir. Okay. Une belle fille. Une belle fille à maman. Ouais, une belle fille. Je t'aime. Bon, quand tu la regardes, son taxi s'en vient. Allez, je vais vous montrer les couleurs. Regardez les belles couleurs. Regardez ça, c'est beau, hein? Bon, quand c'est parti. Mais c'est ça, quand elle est venue pour sortir dehors, qu'elle a vu comme le taxi-là, elle s'est croisée, puis après ça, elle veut rentrer dans la maison. Elle est en train d'ouvrir la porte pour rentrer. Fait que... T'sais, pourtant, elle avait la foule en forme un matin, là, par exemple. Mais là, je me sens coupable. T'sais, j'aurais peut-être dû l'écouter. Peut-être qu'elle avait vraiment pas le goût d'aller à l'école. Mais finalement, je l'ai virée de bord, puis elle est descendue, puis elle est allée s'asseoir. Mais tu sais, le premier réflexe, c'est qu'elle rentrait dans la maison. Elle s'en allait pas faire de taxi. Fait que, c'est plate. J'en sais jamais comment agir. Moi, ça me vient, ça me paye ça. Pas savoir quelle décision prendre. T'sais, ce que son nez pour vrai coulait pas tant que ça. Ça, j'avais pris sa température, c'est vrai aussi, j'ai oublié de vous le dire. Elle faisait 36,6, fait qu'elle faisait pas de température, tout était beau. Puis comme je vous dis, tout a bien été pour la faire manger, donner médication, s'élever, elle dansait à table. Fait qu'en tout cas, c'est ça, on va voir si ça me rappelle. Ben, si ça me rappelle, on ira la chercher. Fait que c'est ça, là, je vais aller enclencher mes recettes. Allez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait cette recette-là. Je suis dans les hôtels avec la sauce à couvert, check-in, là. On dirait du poulet de restaurant, là. On a tout payé pour ce soir. Puis là, ben, c'est ça. J'enclenche.
ça, ça se passe. Ouais, fait que là, j'étais sûre que Nick avait couché ici. J'étais sûre qu'il avait couché ici, mais j'ai pas connaissance quand il est parti. Puis, j'ai pas vérifié, je me rappelle pas si le char était là matin, quand j'ai été portée Catou. En tout cas, j'ai pas connaissance, il est parti, il est pas là. Mais c'est sûr qu'il est venu coucher parce que la charge dans la chambre, et la charge de cellulaire dans la chambre, d'habitude, il y en a pas. Fait que je comprends rien, je comprends pas qu'il soit parti sans me dire salut, ou s'il est vraiment venu, j'ai rêvé ça. En tout cas, je comprends rien. Je vais vous venir au courant. Parce que là, c'est ça, je suis serrée du linge que j'ai plié. Puis j'en profite, je suis allée sur la terrasse pour vider des boîtes à fleurs. Parce que là, les poubelles passent ce soir. Fait que là, je voulais vider des boîtes à fleurs. Fait que là, je fais ça au travers. Je vais acheter des fleurs dans la poubelle. Puis je voulais vous montrer. Mon chum a eu tellement de bonnes idées. Là, je vais vous montrer. Regardez, ça, c'est son fil d'antenne. Son fil d'antenne pour pogner la radio amateur. Puis là, il a passé à mettre les lumières solaires. Fait qu'hier soir, c'était tellement beau de voir ça allumer, là. C'était vraiment beau, là, il en manquerait. Prends quand tu en mets, tu voudrais. Et on en avait juste 5. Fait que l'année prochaine, on va en racheter. Bon, mon dîner est prêt. J'ai fait de la salade César. Avec les croutons maison. Mais moi, j'aime racheter des tomates. Parce que mon chum, il aime pas ça. Fait que moi, dans mon plat, j'aime racheter des tomates. Puis, avec la salade, ben, mon chum, moi, j'aime manger la salade. Mon chum a le choix de manger le reste de la salade aux épinards. Pesto épinards. Ou il restait un steak de l'autre fois, un petit morceau de steak qu'on peut manger avec sa salade des cidres. Ou il restait un wrap d'hier. Fait que il faut pas décider ce qu'il veut manger pour compléter sa salade. Oh mon chum, il est midiné. C'était vraiment le fun parce qu'on est venu manger dehors. On a même pris notre café dans ce balancinet. C'est le petit moment que j'apprécie, c'est le fun. Fait que là, ma sauce à spaghetti à la chèvre. Mais pendant, il reste une demi-heure, mais pendant ce temps-là, je vais commencer mes tartes. Fait qu'après, je vais pouvoir remonter la température du four, puis mettre mes tartes. Puis, ça, ben, je vais ramasser mon linge à corde, je vais le plier, je vais faire un montage. Puis si j'ai le temps, j'aimerais aller marcher. Fait que c'est ça. La journée passe très vite. Il y a toujours de quoi faire d'une maison, hein. Ça, je trouve, c'est l'enfer. Puis, j'ai pas de nouvelles de Katia, fait qu'il faut croire que c'est pas si payé, finalement. Fait que j'ai bien fait de l'envoyer. Ouais, fait que c'est ça. Je vous retiens au courant. Fait que j'ai fait trois tartes, sont faites. Je les mets au four, on va les faire cuire. Il me reste un peu de pâte. J'avais comme pas assez d'en faire. J'aurais pu en faire une petite, mais ça me tente plus. Je vais garder la pâte pour plus tard. Fait que là, on va mettre ça au four. Puis ma sauce à spag aussi est sortie. Là, je l'ai pas rebrassée, j'ai pas encore eu le temps. Bon, je la rebrasse. Hey, c'est ça, je viens d'avoir un sur notre Facebook. Hey, il y a 2 ans, comme aujourd'hui, on était à Old Orchard Beach. Ça a tellement été le fun, là. On avait capoté, ça va être une belle journée d'été. On dit, oh, ça a bien terminé l'été, puis tout ça, là. On avait tellement capoté, on avait fait aller-retour. Mais crime que ça avait été le fun. Puis ça me fait réaliser que ça fait 2 ans que Lucas s'est fait opérer pour les végétations. Il s'était fait opérer. Il s'est fait opérer dans la semaine. On devait y avoir été. Hey, je me rappelle plus. Mais ça veut dire que Lucas s'est fait opérer dans la semaine, mais on avait été la fin de semaine. Puis, c'est ça, ça fait 2 ans. Fait que ça passe vite. Mais tu sais, ça, revoir ça, puis là, tu peux plus. Tu as réalisé que là, on peut plus voyager, on peut plus. C'est compliqué à cause de COVID. Quand ça m'a fait. C'est ça qui est le fun de Facebook, ça nous rappelle les souvenirs. Est-ce que je m'en aurais pas rappelé par moi-même? Puis là, oh, c'est vrai, on était là il y a 2 ans, tu sais, c'est le fun.
Regardez, je vais juste vous montrer. Regardez les belles vues, les arbres, les belles couleurs. Que je voyais en ramassant mon linge. C'est beau, hein? Bon. Fait que là, mes tartes aux pommes, elles allaient avoir coulé, par exemple. C'est plate. Mais c'est ça, mes tartes sont vite. Elles sont belles, quand même, hein? Bon, il est 3h15. J'ai fait pas mal toutes mes tâches. Il me resterait à les transplanter ma pivoine. Sinon, j'ai plié mon linge, j'ai serré en bas ce qu'il y avait serré en bas. Il m'a fait monter le panier en haut. Puis, j'ai serré ma sauce à spagne. J'ai vraiment contente. Finalement, Nick, il était vraiment venu coucher. J'ai pas rêvé. Mais il est parti vers 4h30 du matin parce qu'il était pas capable de dormir. De la misère avec sa digestion. Il a trop mangé de cochonneries hier. Fait que. Il dit qu'il s'en rend compte à ça, il faut que ça fasse vraiment attention. Il fait de la dyspepsie, là. Puis, il a des gros boulements d'estomac. Puis, fait que c'est ça, il est allé se coucher chez eux finalement. Mais j'avais pas rêvé, c'est bien mis. Là, ben, je suis en train d'écouter Occupation Double pendant un petit peu de temps, mais là, on va arrêter dans pas long pour aller transporter ma pivoine. Mais c'est ça, j'avais pas encore écouté, fait que là, je suis en train d'écouter ça. Bon. Fait que c'est fait, je l'ai mis ici dans ma boîte à fleurs, la pivoine. Puis j'en ai mis d'autres pas loin du lampadaire. Fait qu'on va voir ça l'été prochain. Mais comme Lise a dit, ça se peut qu'ils fleurissent pas l'année prochaine vu qu'ils ont été retransplantés, là. Des fois, il faut qu'il y ait un an de repos, là. Ça se peut qu'ils fleurissent pas l'année prochaine. Bon, qu'elle s'est revenue! Allô, Catou! Bonjour! Comment a été ta journée? Tu l'as toute faite, ta journée? Ouais! Comment ça a été, belle fille? Hein? Regarde ton agenda! Allô, Lika! Allô? Allô? Ça va? Oui. Oui? T'as-tu de quoi à déclarer? Non. Fait chaud, hein? Non. Tu serais pas dans les manger de moi, là? Comme la sémoile? Non. Non? OK. Tu viendras pas. Si on y va. OK. Oh. Allô? La belle fille est en forme. Elle a marché beaucoup ce matin. Je la sens plus éveillée. Elle mange bien. Très bien ce midi. Yeah! On la sent plus enrhumée en fin de la journée. Marie-Pierre. Ah, quoi, tu te chouchoues d'amour? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as du soif? Veux-tu de l'eau? Maman va donner de l'eau. Bon, là, Lucas, il a eu sa dictée de la semaine passée. Là, il a eu 29 sur 30. C'est très beau aussi. Je suis contente. Fait que là, on va signer. Katia, tu viens de prendre ton pédiasseur? Viens de prendre ton pédiasseur, viens. Viens. Viens, on va le donner. Ouais. Assieds-toi. Ouais, bravo. Oh, t'es fine. T'es fine, ma fille. C'est pas mal, fille. Va falloir donner le médicament rouge. Hein? On va tasser un peu le gobelet. Tasser un petit peu le gobelet. T'es-tu prêt? T'es-tu prêt? Prêt? Non? Tu veux manger avant? T'es-tu prêt? On va laisser un peu le temps, là, on va manger, on va voir après. Il y a du noix de fromage ici. Allez, elle mange son fromage. J'ai remarqué que des fois, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin qu'elle rouvre sa bouche. On fait rien que mettre la seringue. On les lève. On les lève, puis là, ça rentre pareil. Bravo, Catou! Bravo!
Bravo, belle fille. T'es un amour. Bon, on a soupé. C'était bon, mais bon, là, c'était vraiment bon. Dans le fond, c'est le poulet dans la mijoteuse avec des pois verts, mes frites bâton rouge. Puis j'avais fait poutiner. Fait que c'était très bon, là. Ça n'a pas d'allure. Ma cata, j'avais pas du poulet, des pois verts. Ben, elle mangeait juste du fromage, finalement. Puis après ça, ma tarte aux pommes, elle était succulente, là. C'était toute bien cuite. Ça faisait comme une compote de pommes dans la tarte. C'était bon, là, mais bon, là. On s'est régalé. Fait que c'est ça. Fait que Katia l'a bien pris, elle a pris ses pédiatures, elle a bu de l'eau, elle a mangé du fromage, des pinottes. Fait que je m'inquiète pas parce qu'elle avait super bien dîné, puis elle a bien déjeuné. Puis elle a pris ses pédiatures. Fait qu'elle a décalé leur masse. Ben là, c'est ça. On va aller se promener en auto. Puis c'est ça. On va bien prendre ce relax. Puis après ça, ben, je suis contente parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Hey, puis là, c'est ça. Je change Katia, elle avait un gros pipi. Puis là, je vais acheter de la couche en poubelle dehors. Je la range. Je dis, voyons, je dis, là, ça sent le caca. T'as-tu fait de caca? Là, mon chum, il la change. Oui, elle avait fait de caca. Fait qu'on l'a changé deux fois de couche en l'espace de 5 minutes. Ben, 10 minutes. Donc, ben, je veux dire. Ben, on va dire 10 minutes. En l'espace de 10 minutes. Fait que c'est ça. Ça arrive souvent que je vienne la changer. Puis tout de suite après, on dit, oh, j'ai une couche propre. Je peux faire mon numéro 2 dedans. Aïe, aïe, aïe.